Les vents violents ne pourront rien contre ces poteaux électriques en béton armé remis aujourd'hui à la Sonabel. La société préfabriquée du Faso vole ainsi au secours de la Nationale d'électricité avec 52 poteaux d'une valeur de 8 millions de francs CFA. Une démarche en faveur d'une électricité à moindre coût. Reportage, Sié Sylvestre Da. Sur le réseau de distribution de la Nationale de l'électricité, on aura bientôt aux côtés des poteaux en fer, des poteaux en béton armé. 52 poteaux en béton de classe A d'une valeur de 8 millions de francs CFA ont été offerts à la Sonabel par la société préfabriquée du Faso, l'entreprise Kanazu et Frères. Des supports électriques produits dans cette unité de fabrication des matériaux de construction située à quelques encablures de Ouagadougou grâce à l'expertise et à la matière première locale. Le matériel électrique vient de l'extérieur. Donc c'est systématiquement importé, rien n'est fabriqué sur place. Du coup, ça fait une très grosse fuite de devises. Donc si on a une telle initiative qui permet d'utiliser essentiellement du matériel local et de la main d'œuvre locale, ça fait un très grand apport pour l'économie. Et compte tenu du fait que ça soutient des ouvrages qui sont dangereux, il y a des normes qui sont mises en place pour permettre en tout cas que ce matériel-là respecte et les règles de sécurité et permettre de faire le travail que ça doit être fait. Donc nous étions venus auparavant, on a fait les essais nécessaires et on a constaté que les essais ont montré que ce matériel est de très bonne qualité et respecte la norme. Ce don marque le début d'un partenariat entre les entreprises Kanazu et Frères et la Sonabel. Un partenariat au service du développement du Burkina Faso. C'est la Sonabel qui est l'unique concessionnaire en matière d'électrification de notre pays. Et nous pensons que si nous produisions les poteaux électriques, c'est la Sonabel qui peut acheter. Et en ce moment, c'est notre partenaire privilégié parce que c'est la Sonabel qui peut nous faire effectivement continuer de produire. C'est la Sonabel qui peut nous faire aider ce pays à lutter contre le chômage, à développer effectivement son économie. L'électrification participe au développement, participe à l'amélioration de la vie de nos citoyens. Selon les responsables de l'usine préfabriquée du Faso, l'unité de production est en mesure de réaliser tout type de poteaux électriques suivant les normes conventionnelles internationales. La capacité de production est d'une cinquantaine de poteaux par jour. Grâce au partenariat avec la Sonabel, l'usine entend augmenter ses capacités de production par l'installation de nouvelles machines. La Sonabel, elle, espère qu'en plus de la qualité, les prix des poteaux seront intéressants. La valeur de ces poteaux varie entre 165 000 francs CFA et 200 000 francs CFA l'unité.